Hydro-Québec souhaite que les citoyens qui ont une consommation excessive d'électricité reçoivent une facture plus salée que les autres. On va en discuter avec Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole chez Hydro-Québec. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, Mme Lauzon. Bonjour. Alors, notamment, les propriétaires de gigantesques maisons, ils pourraient payer plus cher. Alors, vous faites bien le dire, de gigantesques maisons. Donc, on ne parle pas ici de la clientèle là, qui a une maison de taille normale ou même de clients qui ont des maisons plus grosses, mais qui ont une consommation d'électricité qui soit raisonnable ou plus normale. On parle vraiment ici d'une consommation excessive. Alors, c'est vraiment le bon mot. Par exemple, un client qui déciderait d'installer une entrée chauffante, une entrée de garage chauffante pour faire fondre la neige en hiver, une piscine chauffée. Donc, la combinaison d'équipements comme ça qui pourrait amener la consommation du client à être très, très, très élevée. Donc, on ne parle pas ici là, des maisons que la majorité des gens qui nous écoutent là, peuvent posséder. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces propriétaires de gigantesques maisons qui abusent un peu de l'électricité? Il y en a quelques-unes, donc c'est pour cette raison-là qu'on souhaite présenter cette option-là à la Régie de l'énergie, parce qu'évidemment, ça va faire l'objet de discussions plus tard cette année. Donc, on va présenter ça à la Régie de l'énergie cet été. Mais il faut comprendre que ça s'inscrit dans un objectif qui est d'éviter le gaspillage d'électricité, parce qu'on a un objectif ambitieux avec notre plan d'action 2035, qu'on veut réussir la transition énergétique. Donc, remplacer tout ce qui, dans notre économie aujourd'hui, dépend de combustibles fossiles pour électrifier ces différents usages, que ce soit nos voitures, que ce soit les bâtiments. Donc, pour ça, ça prend de l'électricité. Il faut en faire une consommation la plus intelligente possible. Mais on vise vraiment là, un nombre de clients quand même restreint avec cette mesure-là. Cependant, j'en profiterai pour souligner, ça s'inscrit dans un exercice plus large qui fait suite à notre plan d'action qu'on a déposé en novembre. On a, suite à ça, voulu tenir une grande conversation avec le public, avec différents groupes. On est allé dans toutes les régions du Québec avec les membres du comité de direction et il y a une quarantaine d'engagements qu'on prend à la suite de cet exercice, de ce grand dialogue-là. Donc ça, c'est une des mesures, mais il y en a d'autres. Je vous donne un exemple. L'efficacité énergétique dans un sens plus large. On veut être extrêmement ambitieux en la matière. On veut consacrer de 10 à 12 milliards de dollars pour des programmes en efficacité énergétique pour aider les gens à adopter, par exemple, des thermopompes efficaces à la maison qui vont les aider à diminuer leur consommation d'électricité. Vous voulez aussi aider, encourager l'installation de panneaux solaires. Comment vous allez faire ça? Tout à fait. Alors, c'était déjà possible d'installer des panneaux solaires sur les toits d'une maison ou les toits d'un commerce. Cependant, il y avait une limite qui était de 50 kilowatts. Donc, au-delà de ça, le client ne pouvait pas revendre ses surplus à Hydro-Québec. Alors, pour que ce soit plus intéressant pour les clients, on augmente ce seuil-là. En fait, on souhaite qu'il augmente. C'est la demande qu'on va formuler de 50 à 1 mégawatt. Donc, c'est 20 fois plus élevé. Alors, ça va permettre à ceux et celles qui souhaitent produire eux-mêmes d'électricité avec des panneaux solaires chez eux ou sur leur commerce, de le faire là, à une échelle plus grande que ce qui est possible aujourd'hui. Et pour ceux qui ont des bons comportements, ils vont être récompensés. C'est ce que vous aimeriez. Est-ce qu'on parle encore du tarif pour le jour et un autre pour la nuit? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'on souhaite, c'est offrir des options aux clients, donc des options tarifaires qu'ils pourront choisir sur une base volontaire. Alors, ce ne sera pas une obligation. Je vous donne un exemple très précis. On aimerait permettre aux gens qui ont une voiture électrique et qui la chargent la nuit, donc qui programment la recharge de la voiture pour qu'elle démarre la nuit après la pointe le soir, de bénéficier d'un meilleur tarif. Donc ça, ce serait une option qui pourrait être offerte aux clients. Et le fameux lave-vaisselle. Par exemple, donc l'usage des équipements, tout ce qu'on peut reporter pendant la nuit, ça va permettre aux clients qui vont le faire et qui vont avoir adhéré au tarif en question de bénéficier d'économies. Très intéressant. Maxence Huard-Lefebvre, merci d'avoir été avec nous. Merci, Mme Lauzon. À bientôt. Journée.